scola sommarium. Sarà più d'una. Au fond, c'est le. Donc là-bas, hein. C'est la baie qui mène vers Girolata. Ici, golfe de Porto. Un peu brumeux. Bon, il n'y a quasiment pas de vent. On pensait faire de la voile, mais non. On pensait avoir 10-11 nœuds, peut-être au près, mais non. Bon, après, on fait des sauts de puce. Hein. On fait vraiment pas beaucoup de milles tous les jours pour voir un coin différent. C'est très riche en paysages et découvertes. Cala di Palu était magnifique hier. Et ce soir, Girolata. On arrive dans le golfe de Porto. Et ça, c'est Piana et les calanques de Piana. Golfe de Porto qui doit être là-bas. Et nous, on va à Girolata, qui est ici. Là-bas, on voit pas bien, c'est un peu brumeux sur terre. Mais ça y est, les rochers sont devenus vraiment roses en fait. Ça, c'est Moumous. La tour. On va avoir quelques bateaux mouillages. Ils n'ont pas encore réparé les bouées de Cormor depuis la tempête de l'année dernière. Donc en fait, les voiliers qui veulent rester la nuit sur des longs séjours, plus longs séjours qu'une demi-journée, ne prennent pas de bouées. Ils sont mis automatiquement à l'ancre là devant. Puisque il n'y a pas un mouillage suffisamment sécurisant dans l'immédiat, je pense qu'ils vont refaire. Belle Elias.
On quitte le golfe de Girolata. Là, c'est le début de la réserve de Scandola. Aujourd'hui, on est parti de Girolata, donc d'ici. On a contourné le cap qui est ici avec des côtes qui sont magnifiques. Et on a fait tout ça en hauteur parce qu'il y avait très peu de vent et vent d'emblée. Et arrivé là, le vent commençait à prendre un petit peu. Bon, évidemment, on tire un bord, hein, mais... au moins c'est plus agréable. Tout ça pour aller ici, Calvi. Donc on va remonter, on va passer les houlographes, tout ça. On va passer là pour pouvoir après abattre sur Calvi. On arrive sur l'îlot de Gargali. Pas Gargamel, hein, Gargali. Ça, c'est l'îlot Garganello. Et après, on a l'îlot, l'île de Gargalu. Et la tour genoise en haut. Avant d'arriver à Calvi. Calvi, la citadelle sur la hauteur. Et derrière, au fond, là-bas, la grande plage. Où d'ailleurs il y a des mouillages pour ceux qui veulent se mettre au mouillage. Et le port est juste là, derrière. Ici, derrière la citadelle. Irrésistible auprès de toi. Quelle vie, quelle vie. La baie de Calvi. La ligne directe la plus courte avec le continent. Là devant la plage, hier soir, il y avait des mouillages en dehors des zones de bouées jaunes. Et le port ici.
départ de Calvi. C'est un joli petit port avec une belle citadelle. Et là-bas, là-haut, tout là-haut, la neige. Il en reste encore un peu. Et on est fin mai. Oui, et on est fin mai. Avec des températures dans la journée 24, 25, voire plus. On a du beau temps. Mais il y a toujours de la neige en altitude. De Saint-Florent. Donc Saint-Florent est ici et on va rentrer dans la marina qui est là-bas.